Thank you.
je viens pas des États-Unis d'Amérique, je viens du Canada, de Montréal, puis Ali vient d'ici du Maroc, puis que tout d'un coup, on peut... On parle la même langue! C'est complètement génial! C'est tellement cool! Le mot jazz est... Quand on pense jazz, on pense à la tradition jazz américaine qu'on connaît, tu sais, mais j'aime beaucoup mentionner le... comment moi je perçois le mot jazz, qui est justement quand tu regardes le début de l'histoire du jazz, c'est une rencontre entre deux cultures musicales complètement différentes qui ont commencé à se développer. On parle de la culture africaine puis la culture classique. Qui sont rencontrés puis qui ont créé un langage à travers de l'improvisation. Tout le monde me dit que l'improvisation c'est difficile. C'est pas difficile. Alors, si tu as un bon bassiste comme Khalil, et pianiste Émilie qui font les grilles, alors tu marches, tu as assuré les phrases que tu fais, les phrases, les modulations, si il faut, sauf il faut que tu donnes la modulation, tu fais, il y a des choses à faire avant pour la modulation, tu fais, je suis là, je pars là, alors tout de suite. Tu veux nous donner un exemple de qu'est-ce que tu ferais? Il faut, je l'ai soigné. Oui, c'est ça. En fait, allons en la mineur, vu que je parlais en la mineur juste pour. C'est la mineur, oui. On jouait la mineur? Ouais. Après, je vous explique. De musique improvisée, en fait, c'est s'il n'y a pas le respect de tout ce qui se passe, ça va pas bien. Okay. Fait que c'est ce qui fait la différence, même en dehors dans la musique, pas nécessairement improvisée, c'est pas seulement la répétition, c'est aussi l'espèce de conscience puis de respect. T'sais. Parce que pour moi, personnellement, il y a deux styles de musique, c'est la musique bien joué puis la musique mal jouée. Puis ce qui est bien joué ou mal joué, c'est pas nécessairement tes capacités musicales. Je pense que c'est tes capacités d'écoute puis tes capacités à créer de la musique ensemble, en communauté. Puis je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment ça. Là. C'est d'être toujours conscient des gens qui t'entourent, avec lesquels tu fais de la musique, puis être le plus respectueux possible à travers la musique. Je pense qu'avec cette philosophie-là, ça peut toujours marcher. Thank you.
d'intégrer la tradition, c'est d'écouter, de prendre justement l'éthique de d'autres personnes, puis de prendre le vocabulaire de la tradition jazz, puis de l'intégrer. Mais après ça, une fois qu'il est intégré, le but ultime, c'est d'avoir son propre son, c'est de créer sa propre voix à travers ça, pas seulement de prendre et de copier, tu sais. Parce que c'est important de prendre, puis c'est comme ça qu'on apprend une langue. Quand une mère parle à son enfant au début, puis que l'enfant ne parle pas, il fait seulement copier les mots de sa mère, mais tout d'un coup, sa voix, elle se développe, ça devient une voix propre. Mais c'est exactement la même chose avec le jazz, c'est on travaille sur des petits mots. Ensuite, on apprend à créer des phrases, puis ensuite, on lit des livres, puis on va vivre quelque chose pour avoir quelque chose de propre à raconter, et pas juste... Créer des dire phrases. Qu'est-ce qu'on nous a appris. Oui, j'ai déjà dit créer des phrases de jazz, d'improvisation. Toujours la phrase improvisée aujourd'hui, le lendemain, tu joues à notre manière. Mm-hmm. C'est pas question de A, A, B, A ou question. Non, c'est pas 1, 2, 3, 4. C'est, tu mets par exemple la phrase à une autre manière. Chaque jour, chaque. Tu es triste, tu es la joie, tu. Tu fais ton les phrases que tu sentis de la moment que tu joues. Il faut avoir beaucoup d'estime de soi, peu importe t'es rendu où dans ton parcours théoriquement. Puis même si tu joues tout un demi-ton à côté, si t'as de l'intention, ça va bien sonner quand même. Des fois, je me retrouve à New York dans un club de jazz, puis là il y a un trompettiste que tu vois qui a fait ses devoirs 300 fois plus que moi, qui a vraiment, tu sais, il a tout le vocabulaire bien établi, puis tout, il va sonner comme Clifford Brown, il va sonner comme Lee Morgan, il va sonner comme... tandis que moi, ce que je me suis plus concentrée, c'est vraiment l'improvisation at large, puis être capable de me retrouver dans n'importe quel contexte, puis dans n'importe quelle stylistique, puis dans n'importe quelle culture musicale ou background musical, puis d'être capable d'avoir une conversation avec les musiciens avec lesquels je suis en train de jouer, même si on ne vient pas de la même école, même si on n'a pas le même langage, il y a moyen d'avoir une conversation parce que finalement, la langue qu'on parle, c'est la musique. La 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 la